De la houle stationnaire et du vent de nord qui se renforce ce midi sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, une température extérieure à 24 degrés, une température de l'eau à 17 degrés. La marée, elle est actuellement en train de commencer tout juste à descendre parce qu'elle était haute à 10h55. Elle sera basse à 17h à Bénévilliers-Vicien, 53. Et sur cette marée qui se met à descendre, le vent s'est renforcé. Il est side onshore, il est nord, un tout petit peu nord-nord-ouest. Il est modéré à soutenu, il y a 2 à 3 beaufort au bord avec un plan d'eau ridé à clapot. Il y a 3 à 4 sur le large avec un plan d'eau clapot à moutonner. Des phases de vagues qui sont ridées, une houle qui est très mal réveillée, multipique, moyenne à longue, 9 secondes de période, orientée nord-ouest à ouest-nord-ouest, une houle qui est stationnaire en taille. Il y a 80 cm, 1 mètre en déferlement régulier, 1 mètre, 1 mètre 20 et des fois un bon 1 mètre 20 sur les scieries. Bon, c'est pas fou, mais avec la marée qui est montée, là, sur les meilleurs bancs, ça déroule un peu mieux quand même que ce matin. Mais ça reste quand même très moyen, avec une barre qui n'est pas facile à franchir, des vagues qui sont moyennement sélectives pour des surfeurs intermédiaires et plus. Il y a du monde à l'eau, c'est le meilleur créneau du jour avant que la marée ne descende et que le vent de nord ne se renforçasse. Donc c'est agité, il y en a partout, hein, c'est très multipique, mais quand même les meilleurs surfeurs arrivent à prendre... avoir quand même quelques vagues pour placer des manœuvres. Il y a quand même quelques bouts, un courant latéral nord-sud qui est en place, et malgré le vent de nord, la température de l'eau elle est un peu moins fraîche qu'hier, donc c'est assez particulier. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va rester stationnaire. La bouée du Cap Ferré prend de la taille et perd en période, elle est à 1,70 et 7 secondes. On aura la même taille sur la fin de journée, par contre le vent de nord il va se renforcer. Prévision à 13h, c'est 1,20 m. Houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 3 à 4 beaufort. Et à 17h encore 1,20 m. Houle nord-ouest à ouest-nord-ouest, 9 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, 4-5 beaufort. Autant dire qu'avec la descendante et le vent de nord qui va se renforcer, ce sera beaucoup plus fun de faire du kitesurf que de faire du surfing. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08, 92, 29, 78, 73. À 14h, 16h et 18h, vous avez quelques jolies manœuvres là sur la fin de la vidéo. Tchou.